Bienvenue à notre merveilleuse famille. Un pape Saint-Étienne qui est avec nous chaque dimanche sur Internet en communion. Bienvenue à la famille Un pape Saint-Étienne. Amen. On est ensemble dans toutes choses. On est ensemble. Quelqu'un me dit amen. Avant de vous asseoir, je voudrais juste vous dire, voyez combien. Attendez, avant de vous asseoir, je disais combien c'est important de prendre le temps de chercher Dieu. Et c'est ce que nous faisons depuis 2 semaines. Et cette dernière semaine, je ne sais pas à quoi elle va ressembler, mais je vais juste vous assurer que cette dernière semaine sera l'intensification, sera le couronnement. Avec les voix que Dieu nous donnera, même s'il n'y a plus de voix, on va louer Dieu, on va chercher Dieu. Il faut comprendre une chose, le Saint-Esprit n'est pas pressé par notre horloge, par le temps. Le Saint-Esprit, il a besoin de temps. Quand le Saint-Esprit veut s'exprimer, il va dire, il ne faut pas me dire, tu as 30 minutes. Parce que c'est toi, le serviteur, moi je suis le maître. Il faut me laisser faire. C'est pour ça que des fois j'ai tellement envie de rester, mais en fait, je crois que je préfère plus les moments de prière que les cultes comme ça là. Parce que les moments de prière, non, tu as le temps. Tu as le temps. Mais j'aime tout. Nous aimons tout. Mais la préférence, c'est qu'on peut rester dans la présence de Dieu. Waouh. Voilà pourquoi ne rate pas cette semaine. Cette semaine, ça va être l'apothéose au nom de Jésus. Ça va être l'apothéose. Alors, est-ce qu'on peut acclamer encore le nom du Seigneur? La présence du Seigneur. Alléluia. Dis-moi gloire! Ok, toi tu as encore la voix, c'est bon signe. Donc on compte sur toi cette semaine. Dis amen. Venez vous asseoir dans sa présence. Dis-moi encore gloire! Gloire! Alléluia. Ce matin nous voulons continuer. Non, franchement, je suis reconnaissant. Si tu m'avais demandé d'expliquer. C'est quoi la gloire de Dieu? Ça veut dire quoi manifester la gloire de Dieu? Il y a 2 mois, je n'aurais pas été capable de te l'expliquer. Tout ce que j'enseigne, je le reçois par révélation. Et je suis moi-même le premier émerveillé par le niveau de compréhension, de sagesse et de révélation que le Saint-Esprit donne à son Église et qui, je ne sais pas pour toi, mais augmente en moi la détermination à faire en sorte que Christ seul soit glorifié dans ma vie. Ok, comme tu n'as pas dit amen, je considère que les personnes là qui ont dit amen sont concernées par cette parole. Donc je te laisse encore une deuxième tentative de dire amen. Parce que mon frère, ma soeur, si toi tu n'as pas décidé que Christ sera glorifié dans ta vie, tu vas être incommodé avec un pacte sans chrétien. C'est-à-dire, tu vas toujours sentir, mais pourquoi il y a une présence ici, là? Il y a un feu ici. Moi, je veux l'obscurité. Non, mon gars, ici, ce n'est pas l'obscurité. Ici, on veut Dieu grave. Non, mais le plus important, c'est aller à l'église, non? Le plus important, c'est aller à l'église. On n'est pas obligé de manifester la sainteté. Non, ici, le plus important, ce n'est pas d'aller à l'église. Ici, le plus important, c'est de glorifier Dieu. Est-ce qu'il y a 10 personnes au moins qui sont d'accord avec cette parole? Et si le but c'est de glorifier, c'est pas de prier, c'est de le glorifier. Aller à l'église, ce n'est pas le but. C'est bon, mais ce n'est pas le but. Aller à l'église, ce n'est pas le but. C'est important. Et ce n'est pas le but. Tu n'as pas atteint le but en allant à l'église. Tu as atteint le but lorsque la parole que tu entends à l'église te fait décider radicalement de le glorifier. Amen. Et nous le glorifierons au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit amen encore. Amen. Donc, nous avons dit la semaine dernière
que chaque être humain, il faut en être conscient, chaque être humain rend visible un être spirituel. Et rendre visible, c'est ça glorifier. Donc, nous avons dit que chaque être humain est une monture, est un véhicule, est un transporteur, est un manifesteur. Chaque être humain rend visible un esprit. Qui ? C'est ça la question. Et quand tu comprends ça, tu dis, moi, par la grâce de Dieu, ma vie te glorifiera. Je ne vois pas pourquoi je vais glorifier quelqu'un qui me hait et qui est un destructeur, égorgeur, voleur. Jamais. J'ai dit jamais. Ah ! Il faut être résolu. On arrête avec les vies des péchés. On arrête ça. Oh, est-ce qu'il y a au moins 120? Ok, ok. Ne t'inquiète pas. Toi, tu n'as pas envie de changer, on dirait. Est-ce qu'il y a 120 personnes? 120, ça peut suivre. C'est la somme haute. Les 120 hommes. Est-ce qu'il y a 120 personnes? Ah. Non. Ma vie doit le glorifier et elle le glorifiera. Il y a une détermination à le voir révélé. Quelqu'un me dit amen. Nous avons dit pour que sa gloire à lui apparaisse, il faut d'abord qu'elle se lève sur ta vie et que toi-même, tu te lèves aussi. Parce que c'est pas seulement que la gloire se lève, ça c'est quand Jésus est venu. Mais après, il faut que toi, tu te lèves. Et je vois un peuple qui s'est levé. Cette parole arrose la francophonie tout entière. Et même si toi, tu dis pas amen, il y a des gens dans la francophonie partout qui sont en train de dire amen et qui sont en train de se lever au nom de Jésus. Nous avons dit que Dieu devient visible, Dieu avec moi, Dieu devient visible à travers ma vie. On a dit que Dieu devient visible lorsque sa nature ou encore son caractère, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, devient visible. Dis avec moi, ça sera mon partage. Voilà, on ne trouvera plus en toi des traces de colère, d'amertume, de jalousie, de haine, d'impudicité. C'est fini. C'est fini. Si tu veux rester là-bas, reste là-bas. Mais je te dis que nous sommes nombreux à avoir dit c'est fini. Si c'est toi, dis encore amen. Dieu devient visible lorsque sa nature devient visible. Dieu devient visible lorsque sa présence manifeste accompagne ta vie. Tes paroles, tes cantiques, tes mélodies. Tu n'es plus un chanteur ou une chanteuse. Quand tu rentres dans la dimension des adorateurs, que tu saches chanter, pris de cours de chant ou pas, parce que Dieu, pourquoi dit chanter? Parce que Dieu dit, la Bible dit, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes. Dieu aime. Dieu a créé la louange, la louration. Dieu a créé la musique et Dieu aime qu'on chante. Non, c'est pas Johnny, c'est Dieu. Oh, Johnny n'a rien inventé. C'est Dieu qui a inventé la musique. C'est pas Jay-Z, c'est Dieu. C'est pas Ria, c'est Dieu. Eux là-bas, ce sont des étoiles filantes. Ils vont cracher dans l'atmosphère s'ils ne reconnaissent pas la véritable lumière. S'ils se contentent de faire semblant de paraître à l'extérieur et d'être noirs à l'intérieur, ils exploseront. Ça ne sera pas mon partage. Moi, je serai comme une étoile brillante. Wow. Oh, Sakata, Lebro, Somamahana. Oh, je suis reconnaissant. Je ne suis ni impressionné, ni envieux, ni émerveillé, ni jamais. Je suis impressionné quand je vois une étoile brillante et non filante. Oh, mais dis-moi amen. Dieu devient visible lorsque sa présence glorieuse t'accompagne. Elle se manifeste à travers toi. Je te garantis que tu es rentré à l'issue de ces 21 jours, tu es rentré dans une phase où la présence glorieuse de Dieu, que tu ne ressentais pas avant, va être ressentie avec une forte intensité à travers toi. Tu entonneras juste un chant, tu diras juste au travail, Alléluia. Et puis, seulement tes collègues sont là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. Qui est Jésus? Qui est-il? Qui est-il? Je dis que cette présence glorieuse t'accompagne au nom de Jésus.
Dieu devient visible lorsque sa puissance coule à travers toi pour briser les jougs, ôter les fardeaux. Lorsque tes paroles ont du poids, tes mains envoient le feu. Dieu devient visible lorsque ces bonnes œuvres qui sont toujours des exploits, on a dit, deviennent visibles à travers toi. Lorsque tu brilles dans ton couloir pour lequel Dieu t'a paramétré sur mesure avec des dons spirituels, des capacités, lorsque tu commences à rayonner et que ta vie commence à produire, à provoquer l'étonnement de tes contemporains. Ils disent, wow, ça c'est pas naturel. Wow, il faut vraiment qu'on bénisse Dieu pour... Wow, quand tu leur dis c'est qui, et quand ils te demandent c'est qui, tu dis non, c'est Dieu qui fait ça. Ils disent non, alors on va rendre grâce, gloire à ce Dieu-là. Wow, là Dieu devient visible et glorifié. On a dit dans ta destinée, quelqu'un me dit amen. Et ce matin, je voudrais continuer et aller plus loin. Dieu devient visible également, on l'a dit, lorsque sa volonté devient manifeste, lorsque sa volonté s'accomplit. C'est-à-dire lorsque ses paroles qu'il a prononcées sur ta vie et lorsque les projets ou encore, je dirais, les promesses qu'il a prononcées sur pour ta vie, lorsque les paroles ou les promesses ou la volonté devient manifeste, lorsque la parole devient chair, alors Dieu devient visible ou encore il est glorifié dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Amen. Voyez-vous, lorsque nous sommes venus à Christ, la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Si tu me suis dit amen. Amen. Dieu donc a prononcé, il a prononcé depuis les confins de l'univers et de l'éternité sur celui qui est en Christ. Il a prononcé des paroles de bénédiction. Et ces paroles sont spirituelles. Parce qu'il les a prononcées, il les a prononcées dans la sphère spirituelle. Dis amen. Amen. Il a dit, désormais tu es racheté, désormais tu es pardonné, désormais tu es justifié, désormais tu es guéri, désormais tu es riche, désormais tu es héritier. Il a tout prononcé. Désormais tu es fertile, tu n'es plus stérile. Désormais. Dieu a tout libéré. Et ce qu'il a libéré là, c'est l'expression de sa volonté. Maintenant, lorsque cette volonté, lorsque ces bénédictions spirituelles deviennent manifestes à travers toi, la gloire de Dieu est manifestée. Pourquoi? Parce que c'est sa parole qui s'est accomplie, donc c'est sa gloire qui est visible. Oh, mais dis-moi amen. Acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque ces bénédictions spirituelles qui ont été prononcées sur ta vie déclarent par exemple que tu as été justifié, déclaré non coupable, et que le résultat de cela, c'est que toi, à cause du fait que tu as cru à cette parole, que tu es justifié, non coupable, et que tu marches désormais dans l'assurance des enfants de Dieu, tu ne marches plus dans la culpabilité, tu ne marches plus dans la peur du diable. Mais ce que produit la justification, c'est que la justification te rend capable de te tenir devant le diable, de dire je n'ai pas peur ni de toi, ni d'un esprit, ni d'une domination, parce que tu as été vaincu à la croix, selon qu'il est écrit qu'il a, oh Seigneur Jésus, aide-moi, oh là là, Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il a dépouillé, voilà c'est ça. Il a dépouillé, viens avec moi, il a dépouillé. Les autorités et les dominations, les publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà pourquoi tu n'as pas peur de te tenir ni devant un agent du diable, un sorcier. Quand tu dis c'est le grand maître des grands maîtres, tu dis je n'en ai rien à faire, le grand maître des grands maîtres c'est Jésus. Dis-moi amen. Donc, lorsque la Bible dit l'héritage, la parole déclare que tu as été justifié, parce qu'il a été condamné pour que tu sois justifié et que tu marches dans la conscience de la justice de Dieu, décomplexé devant n'importe quel démon de l'enfer, est-ce que tu sais, m'a-t-il dit, que tu es en train de manifester la parole qui a été prononcée, tu es en train de la manifester, autrement dit, tu es en train de révéler la gloire de Dieu dans ton identité.
Que la gloire de Dieu soit visible dans ton identité au nom de Jésus. La gloire de Dieu visible dans ton identité, ça veut dire que celui qui était hier rejeté, qui a grandi dans le rejet, marche soudainement aujourd'hui dans une totale acceptation sans complexe. Il sait qu'il est bien-aimé, elle sait qu'elle est bien-aimée. Les forteresses du rejet sont tombées. Maintenant, elle est remplie d'amour, elle sait qu'elle est bien-aimée de Dieu. Ça veut dire que la gloire de Dieu est visible dans ton identité. Amen. Quelqu'un me dit encore amen. Amen. Lorsque tu arraches ou que j'arrache la guérison par la foi, ou alors lorsque je marche dans la santé divine, parce que j'ai cru à la parole de Dieu, à la parole d'immunisation, parce que j'ai cru et que j'ai marché dans la sagesse également, lorsque tu marches dans la guérison divine ou dans la santé divine, tu es en train, lorsque ce ne sont pas les médicaments qui l'ont fait, mais c'est ta foi et ta sagesse qui ont produit cela. C'est la foi en Dieu et la sagesse de Dieu à l'intérieur de toi qui produit ce genre de résultat. Tu es en train d'expérimenter la gloire de Dieu dans ta santé. Amen. Quelqu'un dit un meilleur amen. Amen. Non, mais est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, acclame un peu, parce que je comprends. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Le Saint-Esprit est en train de nous expliquer que manifester la gloire de Dieu, c'est vaste. C'est ça qu'il est en train de nous expliquer. Voilà pourquoi, écoute-moi, une fois que c'est expliqué, ça a l'air simple. Mais tu n'as pas aidé du prix payé pour entendre ce genre de révélation. Alors quand elle vient, je voudrais que tu sois un peu plus enthousiaste et reconnaissant, pas envers moi, mais envers le Saint-Esprit qui révèle les secrets et qui emmène la connaissance de la vérité. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis avec moi, je veux manifester la gloire de Dieu. Lorsque les paroles que Dieu a prononcées sont manifestées par toi, c'est sa gloire. C'est pas ta gloire, c'est la sienne. Parce que ce sont ses paroles à lui. Lorsque tu opères dans la dimension de la richesse pour Dieu, cette richesse qui n'est pas le résultat d'un accident ou d'un tourment ou d'une auto-torture, travailler de 8h à 23h, non. Lorsque tu expérimentes la richesse surnaturelle divine qui est le fruit d'une combinaison de disposition à de détachement vis-à-vis de l'argent, de la générosité et de la priorité accordée à Dieu. Lorsque tu opères dans ce genre de dimension et qu'à cause de ton obéissance, tu expérimentes un transfert surnaturel de richesse progressive où Dieu prend aux nations et il te donne à toi selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 2 verset 26 car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire à Ivan. Lorsque tu opères dans cette dimension, tu es en train de rendre visible la parole de 2 Corinthiens 8 au verset 9 qui dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Lorsque tu opères dans cette dimension, tu es en train de manifester la gloire de Dieu dans tes finances. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Oui, oui. Devant, là-haut, là, on acclame. J'ai dit là-haut, là. Premièrement, tout le monde acclame. Faut pas chercher mon onction, hein. Moi, je ne m'exprime pas dans un environnement où on n'honore pas le Saint-Esprit. Amen. Jamais. Je vais quelque part, j'ai dit, on acclame la présence de Dieu, les gens sont comme ça, j'ai dit, je ne prêche pas. Vous pensez que prêcher, je suis obligé, je ne vais pas prêcher pour l'argent, je n'ai pas besoin de votre argent. Moi, je suis un messager, je viens là où le Saint-Esprit est accueilli. Vous ne l'honorez pas, je ne prêche pas. Je ne parle pas. Ah ouais. Et quand vous
Je n'ai pas été créé pour faire plaisir à un homme. J'ai été créé pour faire plaisir à mon créateur. Oh! Oh! Quelqu'un me dit amen. Oui. C'est ce qu'on appelle l'intégrité et la crainte de Dieu. Ce que je te dis, je l'ai pratiqué. Je l'ai fait. Je ne dirai pas où, je l'ai vécu. J'arrive, je dis adorer, il ne veut pas adorer. Acclamer, il ne veut pas acclamer. J'ai senti le Saint-Esprit tellement triste en moi. J'ai dit, il me dit, je ne parle pas, je ne suis pas respecté. Et devant tout le monde, j'ai commencé à pleurer. Les larmes sont sorties, j'ai dit, Seigneur, pardon. Il me dit non. J'ai dit, ah, il me dit non. J'ai dit, waouh. Je leur ai dit, bon, vous n'avez pas honoré le Saint-Esprit. Je n'ai rien à dire. Revenez demain avec un esprit de prière et d'humilité. Je suis parti. Je suis parti, je suis sorti de la salle. J'étais désolé, je suis sorti. Mais je pleurais. Il m'a dit, je ne suis pas honoré. J'ai dit, il faut honorer. Non, nous ne sommes que des messagers. Nous ne sommes que des... Si le Saint-Esprit n'est pas honoré, il ne fera rien. Alors acclame la présence de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Voilà. Chaque personne qui a honoré le Saint-Esprit sera honorée. Au nom de Jésus. Dis encore amen. Lorsque tu as cru dans une parole et que cette parole devient visible, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée. Lorsque tu as cru dans la parole qui dit dans Ésaïe 54, verset 13, tous tes fils, y compris tes filles, bien entendu, seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Et que tu vois que tes enfants sont en train de devenir, pas des croyants de nés de nouveau, non, mais des disciples, des suiveurs, des propagateurs, des propagandistes, des zélateurs et des zélés pour Jésus. Lorsque tu le vois à travers tes enfants, tu es, puisque tu as cru en cette parole, tu as marché dans cette parole, tu as prié pour l'accomplissement de cette parole, tu as éduqué tes enfants selon cette parole, et que tu vois tes enfants devenir des disciples, alors tu es en train de voir la gloire de Dieu dans ton foyer. Et je déclare que cette gloire sera visible dans ta famille, dans ton foyer, au nom de Jésus. Dis avec moi, waouh, la gloire de Dieu. Quand il m'a expliqué ça de cette manière, moi-même, j'ai dit, waouh, Seigneur, je n'avais pas compris ça comme ça. Je n'avais pas compris ça comme ça. Il m'a dit, ma gloire, c'est mon apparition à travers ma volonté ou ma parole. Oh, quelqu'un me dit amen. Je suis venu te dire que quelle que soit la manière dont ta vie a commencé, tu dois croire qu'il est possible de manifester la gloire de Dieu. Parce que la fin d'une chose, même si dans la foi, dans la marche avec Dieu, tu as commencé dans l'adultère, tu as tâtonné, tu as trébuché, même en ayant accepté Jésus, tu avais mal commencé, dès lors que tu comprends qu'il est possible, de bien finir en manifestant la gloire de Dieu, quel que soit le nombre de jours qui te reste à vivre sur la terre, c'est possible. Tu peux bien finir et révéler et glorifier Dieu. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, crois que c'est possible. Crois, ma soeur, mon frère, que c'est possible. Crois. M'a dit, crois-le. Parce que beaucoup de gens ont du mal à croire. Tu veux dire qu'on peut manifester le caractère de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, les promesses de Dieu. Oui! C'est possible. Dis-moi, c'est possible. C'est possible. Parce qu'il m'a dit de te dire, si tu crois au Jésus qui sauve, qui t'emmène au ciel après la mort, mais que tu ne crois pas qu'il est possible de vivre la dimension que nous sommes en train d'expliquer, ça veut dire que toi, tu as cru en Jésus, le Sauveur, mais tu n'as pas cru, tu as cru en Christ, le Sauveur, mais que tu n'as pas cru en Christ, l'espérance de la gloire. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu as enfermé Jésus dans un seul compartiment, dans une seule facette,
Alors que Jésus est multifacette. Il est ton sauveur, mais il est ton Seigneur. Il est ton avocat, il est ton médiateur. Il est ton intercesseur, il est ton souverain sacrificateur. Il est ton bon berger, il est ton bouclier. Il est ta bannière, il est ta lumière. Il est ton salut, il est ta joie. Il est ta Pâque, il est ton pourvoyeur. Il est ta protection, mais il est aussi ton espérance de gloire. Oh, dis-moi Amen. Ah oui. Ne l'enferme pas. Il est plus que ce que tu crois. Il n'est pas là que pour t'amener au ciel. Non. Il est là pour réveiller et manifester le but pour lequel il t'a créé. Il est la parole qui t'a créé. Quelqu'un me dit Amen. Sauf que nous l'avons dit pendant les temps de prière. Dis avec moi, c'est possible. Mais pour manifester la gloire de Dieu, nous avons dit, Dieu a besoin d'un véhicule. Et on a dit que ce véhicule s'appelle l'adorateur. Pas le croyant, pas le né de nouveau, l'adorateur. Parce que la question, les gens m'ont posé la question, mais pasteur, comment, pourquoi je n'arrive pas à manifester? Il m'a dit, ce n'est pas un croyant ne peut pas me servir de véhicule. Si j'atterris dans la vie d'un croyant, je risque de le détruire, de le consumer lui-même. Il faut que le véhicule ait été préparé, ait été habillé pour devenir, pas seulement un véhicule, mais un adorateur. Nous commençons tous comme des croyants, mais nous devons progresser pour devenir des adorateurs. Oh, dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce de devenir un adorateur. D'où le titre de mon message d'aujourd'hui, le réveil des adorateurs. Les transporteurs de la gloire de Dieu. C'est le titre de mon message, le réveil des adorateurs, les transporteurs de la gloire. The carrier, les montures, les transporteurs, les véhicules qui transportent la gloire. Non, mon frère, ce ne sont pas les nés de nouveau. Nés de nouveau, c'est la porte d'entrée. On commence par la nouvelle naissance, mais il faut aller plus loin, quitter la nouvelle naissance et entrer dans la phase des adorateurs. Les croyants sont ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Mais les adorateurs sont ceux qui le reconnaissent comme leur Seigneur. Ça veut dire comme leur maître. Ça veut dire les croyants croient au salut, mais ils n'ont pas accepté de renoncer à eux-mêmes. Ils sont remplis du moitrimonisme. Et ça se voit dans leurs prières. Donne-moi la voiture, donne-moi le travail, oh, donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi la chaussure, oh, la belle voiture, Seigneur, je te fais confiance. Ça. Et il est expressif. Dieu dit, voilà un croyant. Le croyant, quand il prie, il est très focalisé sur ses besoins, sa propre volonté. Le croyant croit, mais il n'est pas mort à lui-même. L'adorateur ne fait pas que croire. L'adorateur est celui qui allait au-delà. L'adorateur est celui qui s'est offert comme un sacrifice vivant. Voilà pourquoi on dit qu'il reconnaît Jésus comme étant non pas son sauveur, mais comme étant son maître. Il le reconnaît. L'adorateur s'est offert. Il a renoncé à lui-même. Il a accepté de s'offrir. L'adorateur, ce n'est pas celui qui chante, c'est celui qui vit. La phrase qui dit, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement.
Tout le monde le chante, mais les adorateurs le pensent, le méditent, le pèsent. Chaque mot de cette chanson est l'expression de leur soupir et de leur gémissement et de leur pleurs intérieurs. Ça, c'est l'adorateur. Lorsque le croyant le chante, il mâche son chewing-gum, il lève les mains, parfois il regarde au plafond, parfois il est comme ça. Mais l'adorateur a l'air désespéré. Il dit, oh, je renonce à moi-même. Non, 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 non. Oh, lorsque l'adorateur prie, le croyant demande pourquoi donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il prie pour demander sa volonté. L'adorateur, lorsqu'il demande, il dit toujours à Dieu, non pas ma volonté, mais uniquement ta volonté. Pas mes propres projets, mais tes projets. Pas ce que je veux pour mon mariage, mais ce que tu veux. Pas ce que je veux pour mon travail, mais ce que toi tu veux. Accorde-moi la grâce d'aimer ta volonté, de vivre ta volonté, de faire ta volonté, d'être embrasé par ta volonté, de poursuivre ta volonté, de désirer ta volonté, de marcher dans ta volonté. Et à cet instant précis, lorsqu'il y a moins d'acclamations, c'est parce qu'une démarcation commence à être faite entre les croyants et les adorateurs. Ne t'inquiète pas, je comprends. Le Saint-Esprit comprend. Mais cette parole vient réveiller ce matin un adorateur. Peut-être. Oh, dis avec moi, réveille les adorateurs. Oh, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Réveille les adorateurs, il y a des adorateurs qui sont assoupis et que le Saint-Esprit, qui sont endormis et que le Saint-Esprit est venu réveiller. Va plus loin. Tu veux manifester la gloire de Dieu? Tu veux voir Dieu apparaître par sa puissance, apparaître par sa présence? Avant de lever la main, pose-toi la question, est-ce que tu as décidé de rester croyant en Jésus ou est-ce que tu as décidé de devenir un adorateur? Celui qui s'abandonne, qui s'offre, qui se livre. Les croyants écoutent la parole de Dieu, parfois de manière distraite, comme la parabole du semeur. Parfois pendant qu'ils écoutent les soucis de la vie. Qu'est-ce que je vais manger, boire, et comment je vais me marier. Quand ils écoutent la parole, parfois ils sont distraits. Mais l'adorateur ne veut pas qu'écouter la parole. L'adorateur est celui qui sert la parole dans son cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Selon qu'il est écrit dans le psaume 119, verset 11, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'adorateur est un gardien, custodian, est un gardien, est un protecteur, est un conservateur de la parole de Dieu. L'adorateur est amoureux de la présence de Dieu et il est amoureux de la parole de Dieu. L'adorateur ressent une sainte jalousie vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand il entend la parole, il la garde dans son cœur. L'adorateur n'est pas parfait, ne t'inquiète pas. Mais l'adorateur n'en est pas parfait. Mais il aime la parole. Il sert la parole. Il se bat pour garder la parole. Parce qu'il sait que c'est la première preuve d'amour. Oui, oui, oui. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, Jean 14, verset 21, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera. L'adorateur aime tellement Dieu. Il aspire, il n'est pas parfait, mais il aspire tellement à aimer Dieu que quand Dieu parle, il prend cette parole, il la garde dans son cœur afin de ne pas pécher contre lui. L'adorateur aime la parole, sert la parole. L'adorateur est comme un romantique. Tu pourrais quasiment croire que c'est un sentimental. Mais ça, c'est avec Dieu. Tu pourrais quasiment croire qu'il est faible. Mais c'est parce que devant Dieu, il est comme un enfant. L'adorateur, il est comme celui que. Il est comme David dans le psaume 131, lorsqu'il dit Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Mais comment? David, majesté, vous êtes le roi. Oui, mais devant Dieu, il a l'âme comme un enfant sevré. Mais vous êtes quand même l'homme le puissant. Oui, mais devant Dieu, il est comme un enfant. C'est un romantique. Il chante. As-e, as-e, comme une biche. Non. Mon âme
soupire. Près toi et mon esprit en moi te cherche. Ça, c'est l'adorateur. Mais il a des paroles. Ah, je dis, attends, on recommence. Ah, the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. En français, ça donne mon âme soupire comme une biche aride dans une terre desséchée, et mon esprit en moi te cherche. Ça, c'est l'adorateur. Il dit, je cherche. Oh, toi seul est le... Non, pour l'adorateur, ce n'est pas une chanson. Oh non, pour l'adorateur, c'est un soupir, c'est un gémissement. Il dit, mon âme soupira. Prête-moi et moi. Je ne sais pas parler, je ne sais pas chanter, mais je veux te dire, toi seul est. Oh, je n'ai pas appris les chants, je n'ai pas appris de donner, je n'ai pas reçu de cours de chant, mais je veux te dire que toi seul est le désir, et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire comme une biche soupire dans une terre aride et desséchée. Mon âme, mon esprit au-dedans de moi cherche le Seigneur. Oh, brachata terribosa, le désir de mon cœur, et je vis pour m'abandonner, te révéler, et je vis. Ça, c'est l'adorateur. Non, ce n'est pas une chanson. C'est un soupir, c'est un désir, c'est un profond gémissement du plus profond de ses entrailles. Que je vive pour ta tourée. Parlare ma brosso, batale le moussa. Oh, réveille les adorateurs. Wow. Les caranambos, c'était les mains. Et lorsque tu vois David, l'adorateur, lorsque tu vois les adorateurs dans cette phase, ils ont l'air tellement vulnérables, fragiles, sensibles, délicats, que tu peux croire que c'est quelqu'un de fragile. On peut le banaliser, on peut le... Non. C'est-à-dire que tu peux croire qu'il est naïf et qu'il a un côté vraiment où on peut se servir de lui. Mais c'est parce que tu n'as pas connu l'autre facette de l'adorateur. Il a l'air romantique, mais en fait, c'est quand il est avec Dieu. Mais sinon, c'est un guerrier redoutable. L'adorateur est un guerrier. À quel moment vois-tu le visage du guerrier sur l'adorateur? Tu vois un visage de guerrier, un visage de sévérité lorsqu'une idole est érigée, lorsqu'une idole est dressée, et que cette idole, la première fois, je vais te montrer dans Exode chapitre 32 au verset 26 à 27, c'est là que tu vois les adorateurs qui se sont réveillés. Israël, à travers Aaron, venait de faire le veau d'or. Moïse descend de la montagne où il a rencontré Dieu avec les tables des commandements, et ils découvrent qu'il y a un veau d'or qu'ils ont osé appeler. Voici l'Éternel ton Dieu. L'abomination a été établie. Une idole a été érigée. Une idole a été érigée et veut prendre l'adoration qui est due au seul Créateur qui est béni éternellement. Une créature, une pensée charnelle est en train d'être adorée. Et c'est là, dans Exode 32. Versets 26 à 27, la Bible dit, Moïse se plaça à la porte du camp et il dit, à moi, ceux qui sont à l'Éternel, et tous les enfants de Lévi, d'où vient le Lévitique, c'est-à-dire le sacerdoce, s'assemblèrent auprès de lui. Et Moïse leur dit, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, que chacun de vous prenne son épée et la mette au côté.
parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. Non, tu dois comprendre que je ne te demande pas de tuer ton père ou ta mère ou ton frère ou ta soeur. C'est une métaphore. Mais il dit que chacun prenne son épée et qu'il fasse un carnage envers tout ce qui empêche, tout ce qui veut voler l'attention et l'adoration du Créateur. Je suis venu te dire que l'adorateur, le combat dont nous parlons aujourd'hui, n'est pas un combat physique, c'est un combat qui est spirituel, c'est une guerre. Oh, quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire que l'adorateur est romantique dans la présence de Dieu, mais l'adorateur, nous ne le sous-estime pas. C'est un guerrier, c'est un conquérant, il est redoutable. Dès que... j'essaie de te dire, en fait, qu'on ne devient pas un adorateur par accident, par hasard. Non, on devient un adorateur à travers, en livrant une guerre sans merci, sans pitié, une guerre acharnée. Contre qui? Une guerre acharnée, premièrement, contre la chair, avec ses passions et ses désirs, lorsque des pensées de la chair veulent prendre la place sur le trône de mon cœur, l'adorateur sort son épée et dit, qui es-tu, pensée? Qu'est-ce que tu fais là? Cette place et toute la place est occupée par le Créateur, par la pensée de Christ. L'adorateur sort son épée et il taille en pièces la chair, il taille en pièces le monde, il taille en pièces les démons, parce que cette coalition de la chair, des démons et du monde, quel est leur but? Leur but, c'est d'essayer de tout faire pour positionner une idole sur le trône de ton cœur. Et lorsqu'une idole demeure sur le trône de ton cœur, Dieu dit, je ne reste pas ici, je m'en vais. Je te parlerai de la stratégie redoutable que Satan utilise pour empêcher la gloire de Dieu d'être manifestée à travers la vie de quelqu'un. Je t'expliquerai que cette stratégie redoutablement efficace, malheureusement, c'est l'idolâtrie, la contrefaçon de l'adoration. Et lorsque l'adorateur voit une idole, toute forteresse, raisonnement, pensée, auteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu et qui essaie de s'imprimer sur son cœur. L'adorateur n'est pas parfait, mais l'adorateur aime tellement la parole de Dieu. Il aime tellement Dieu, il aime tellement les commandements de Dieu que lorsqu'une pensée dit, je vais me faire une place là où le croyant, lorsque le Saint-Esprit expose les mauvais sentiments et les mauvaises pensées de son cœur, lorsque le Saint-Esprit vient mettre à lui les mauvaises pensées et que l'adorateur saisit cela, là où le croyant, l'adorateur a pour premier réflexe de dire, qu'est-ce que tu fais là, madame la pensée de la chair, madame l'impudicité, madame la colère, qu'est-ce que tu fais dans mon cœur? Cette place est réservée uniquement pour le Créateur qui sera béni éternellement. Qu'est-ce que tu fais dans mon cœur? Que fais-tu là? L'adorateur sort son épée et il va faire un carnage contre toute pensée hauteur. Forteresse, l'adorateur est un renverseur, un destructeur de forteresse qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Oh, je comprends, en voyant le faible nombre d'acclamations pour la parole de Dieu, je comprends qu'il y a beaucoup de croyants ici. Oh, mais ce n'est pas grave, le Saint-Esprit est venu réveiller les adorateurs. Est-ce qu'il y a un adorateur dans la salle qui peut me dire un bon amen à la parole? Quelqu'un me dit amen encore? Là où le croyant, lorsque le Saint-Esprit vient exposer des mauvaises pensées, le croyant dit, oh, c'est pas ma faute, j'ai cette pensée à cause de ce qu'on m'a fait, à cause de ce que j'ai subi, à cause d'un tel, à cause d'un tel. Ça, c'est l'attitude du croyant. L'adorateur dit, j'ai subi les mêmes événements, j'ai subi, mais je ne peux pas laisser une pensée autre que la pensée de Christ à s'asseoir sur le trône de mon cœur. Ah, pensée, la pensée dit, excuse-moi, ton voisin m'a toléré, il dit, moi, je ne te tolérerai pas. Un seul aura la première place sur le trône de mon cœur, selon qu'il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le Seigneur. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu
Voilà, les croyants chantent ça. Mais les adorateurs, quand ils entendent ce genre de chant, ah, ça réveille une flamme, ça réveille un feu à l'intérieur d'eux. Lorsque les adorateurs entendent ça, ils disent c'est exactement ça, c'est le premier des commandements. Oh toi, tu, je vais bricater les catarébos. Esprit du Dieu, Esprit du Dieu, tout. C'est toi que mon cœur désire. Non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu. Ah. Les membres s'accatent, les rabats et les rebonds. L'adorateur pèse. Le croyant, il croit que ça rentre, ça sort. L'adorateur dit non, je ne vivrai pas. L'adorateur n'est pas parfait, mais il aime Dieu. Il a décidé de garder la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas garder sa parole, c'est une contradiction. L'adorateur ne dit pas devant la chair, l'impudicité, oh je me sens trop faible. Non, l'adorateur sort son épée. Il dit comment tu t'appelles? Carnage, taille en pièces. Il ne fait pas de compromis. Il ne donne aucune excuse. Oh Seigneur, réveille dans ton église. Réveille dans la francophonie. Réveille dans parmi les nations. Réveille les adorateurs. 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 Réveille les adorateurs ont dit, la chair ne sera pas honorée dans ma vie. Le Saint-Esprit sera honoré. Tout ce qui offense le Saint-Esprit réveille dans le cœur d'un adorateur une sainte colère. Parce que ce qui offense le Saint-Esprit fait sourire un démon. L'adorateur ne supporte pas de voir un démon sourire. Bah non, jamais. Quel est le démon qui inspire cette pensée? L'adorateur sort l'épée de son côté et il fait un carnage. L'adorateur n'est jamais vaincu par la chair avec ses passions et ses désirs. Jamais! Oh, réveille les adorateurs. Réveille les adorateurs. Oh, la catamroso catalerebo sakaita. En fait, vous ne comprenez pas une chose. Manifester la gloire de Dieu n'échappera pas à la même vérité spirituelle que le Saint-Esprit nous enseigne tout le temps. Manifester la gloire de Dieu va exiger de se laisser conduire par Dieu. Parce que tu ne peux pas manifester sa gloire si tu ne marches pas sur sa parole, si tu ne laisses pas sa parole te remplir et te conduire. Le secret, c'est toujours le même, être conduit par l'Esprit. Le problème, c'est que le croyant a du mal à être conduit par l'Esprit, puisqu'il est conduit par la chair, avec ses passions et ses désirs. Il est drivé, c'est un véhicule des démons. Il est conduit par les démons, il est conduit par la chair, il est conduit par le monde. Mais l'adorateur, c'est celui qui est conduit par l'Esprit. Le croyant n'a pas décidé de tailler en pièces tout ce qui veut le conduire à l'exception du Saint-Esprit. L'adorateur n'est pas parfait, mais l'adorateur est résolu. L'adorateur a décidé que lui seul sera son seul trésor. Lui seul, Esprit de Dieu, Esprit. Oh, quand je vois la dizaine d'acclamations qu'il y a parmi mille personnes, je me dis, je parle à ceux qui sont sur Internet. Je prie seulement que Dieu réveille des adorateurs. Dieu réveille des adorateurs. Je ne suis pas certain que tout le monde ait décidé d'être un adorateur. Mais que Dieu réveille les adorateurs. Oh, les cadavres salés. Juste au cas où tu n'aurais pas décidé de te lever pour devenir un véhicule de transport de la gloire de Dieu. Juste au cas, laisse-moi t'assurer, te certifier. Oh, laisse-moi t'assurer qu'il y a des multitudes à travers la francophonie et au-delà qui sont en train de se réveiller au son de sa voix sur la base de cette parole. Des multitudes sont en train d'être réveillées, engendrées, ravivées par Dieu, le Saint-Esprit. Je veux entendre des meilleures acclamations. Je veux entendre des meilleures acclamations. Je veux entendre des meilleures acclamations. Les cabros sont cata et babos. Les mambros sont les rabos.
manifester la gloire va t'emmener, t'obliger à te laisser conduire par l'Esprit. Ce sont les adorateurs qui se laissent conduire. Les croyants résistent. Oui, mais j'ai un copain. Oui, mais j'ai telle habitude. Oui, mais je suis habitué à mentir. Les adorateurs ne résistent pas. Ils ont renoncé. 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 Mararibosa, yedera mandroso. Yedera mandroso. Dieu a un peuple nombreux. Mais Dieu dit qu'il recherche parmi son peuple une catégorie particulière de personnes. Il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible où Dieu cherche. Si Dieu dit qu'il cherche, ça veut dire que ça ne court pas les rues. S'il dit qu'il cherche malgré un peuple nombreux, ça veut dire que ça ne court pas les rues. Non. Les adorateurs. Il m'a dit, ce sont les véhicules à travers lesquels je me transporte. Ce sont les véhicules à travers lesquels je me déploie. Ce sont les adorateurs. Si je viens manifester ma gloire dans la vie de quelqu'un qui n'est pas prêt à m'accueillir, et ce n'est pas ma volonté qu'il meure, il risque de mourir. Quand je ne vois pas de véhicule, je n'atterris pas. Quand le chef d'État n'a pas sa voiture, il ne se déplace pas. Il ne va pas prendre une bicyclette parce qu'il faut qu'il sorte. Non, il va attendre qu'on lui amène son véhicule, qu'il rentre dans son véhicule. Dieu m'a dit, je suis sa majesté, je ne me déplace pas n'importe comment. On ne me transporte pas n'importe comment. Voilà pourquoi je préfère me cacher plutôt que d'aller n'importe où. Je ne peux pas. Il faut que là où j'atterris, ce soit un adorateur, un véhicule qualifié pour m'héberger, qualifié pour me recevoir, qualifié pour se laisser conduire par moi. Voilà pourquoi il m'a dit, malgré le nombre de croyants nés de nouveau que peut compter l'Église dans le monde entier aujourd'hui, comment expliques-tu que quelques milliers de personnes au temps de l'Église primitive ont plus permis, ont voyé Dieu? Dieu s'exhibait, Dieu se démontrait, au point que comme Paul et Silas arrivent quelque part, on dit, les gens qui ont changé le monde sont venus ici. On voyait Dieu à travers eux. On a entendu parler des récits, des prisons, des fondations, des prisons ébranlées à travers l'adoration de deux personnes. Ils inspiraient la terreur. On en voyait Dieu se manifester. Comment expliques-tu qu'on le voyait se manifester à travers quelques milliers de disciples? Ce n'étaient pas des croyants. C'était des disciples, on les appelait chrétiens, pas parce qu'ils allaient à l'église, mais parce qu'ils ressemblaient en tout point à Jésus. C'était des adorateurs, ils avaient abandonné leur vie, ils vivaient comme lui, ils marchaient comme lui, ils aimaient comme lui, ils étaient saints comme lui, ils étaient purs comme lui, ils étaient vrais comme lui. Ils le révélaient, ils le reflétaient, ils lui ressemblaient. On a dit à Antioche, waouh, ces gens sont des chrétiens les gars, ce sont des chrétiens. Non, ils ne parlaient pas de chrétiens modernes. Non. Il y a des millions de nés de nouveau dans le monde aujourd'hui. Et malgré tout, les nations se demandent toujours, est-ce que Dieu existe? Pourquoi se demandent-elles si Dieu existe? Parce qu'elles ne voient pas Dieu. À travers ces millions de croyants qui disent qu'ils croient en lui. Les nations ne le voient pas. Oui, mais nous sommes les chrétiens, on ne le voit pas. Donc de quoi on se demande s'il existe? On se demande s'il est réel. Mais Seigneur, réveille les adorateurs.
ceux à travers lesquels tu vas te manifester, t'exprimer, te déployer, et tu vas répondre à ces interrogations des nations. Le Saint-Esprit m'a dit, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une multitude de croyants. Je l'ai entendu me dire, il y a une pénurie d'adorateurs. Voilà pourquoi ils se cachent. Multitude de croyants, pénurie d'adorateurs. Et il m'a dit, ce n'est pas parce que les nations me voient qu'elles croiront. Mais plusieurs qui me cherchent lorsqu'ils me verront. Parce que les gens qui me cherchent, ils ne me voient pas. Lorsqu'ils me verront à travers toi, ils croiront. Et lorsque les nations me verront à travers toi, toutes les nations ne croiront pas, mais au moins elles sauront que j'existe. Pharaon ne s'est pas converti, mais il a su que l'Éternel était Dieu. Ils sauront que le Seigneur est Dieu, que Jésus est Seigneur. Même s'ils ne viennent pas, ils sauront que Jésus est Seigneur. Sers-toi de moi pour cela. Et il m'a dit, quand ils me verront, s'ils ne me choisissent pas, ils n'auront pas d'excuse. Mais il faut qu'ils me voient. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 4, versets 23-24, « Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père regarde, ce que le Père regarde. Oh non, ne le chante pas si tu ne le penses pas. Non, là ce n'est pas un chant pour tout le monde. Ce que le Père recherche, il faut que tu entendes, il faut que tu entendes, il faut que tu médites. Non, n'ajoute pas le comble à tes abominations. Je t'en prie, il faut que tu médites, il faut que tu médites. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de nos cœurs. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs qu'il adore. Et en vérité, les camarades sont les babacales de vos sangs, les mambros sont canchales de vos corps, les mambres sont calaramaï de vos, les rabacales de vos, les ce sont les adorateurs. Ce que le Père recherche, ce sont les âmes. Il est venu chercher quelqu'un ce matin qu'il adore. Il est venu réveiller une onction. Il est venu réveiller la grâce dans le cœur d'une personne qui avait déjà décidé de se lever. Cette parole concerne, oh le Père, ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche ce matin, il recherche une disposition de cœur, il recherche une résolution. Ce qu'il adore, il adore. Y a-t-il un adorateur qui veut être réveillé ce matin? Y a-t-il un adorateur? Ce que le Père regarde, c'est le point de notre cœur. Ce que le Père cherche, ce sont les adorateurs.
créateur qui l'a embrassé. Il m'a tapé, cette semaine est la semaine où Dieu va opérer puissamment dans la vie des adorateurs. Il va opérer puissamment. Il vient récupérer, réquisitionner ceux qui ont des cœurs d'adorateurs. Les adorateurs ont décidé. Les croyants n'ont pas décidé. Les croyants n'ont pas résolu. Les croyants ne sont pas gênés. Lorsque Dieu n'a pas la première et la deuxième.